Rue pour la deuxième partie du live du samedi. On est sur le Titanic à Gisèle. Donc là, ce coup-ci, j'ai enregistré. Et on va se faire les graines d'expérience. Donc là, on a deux machines à vider. On a re ça à casser. Voilà, faut bien que je descende par là. Puisque il faut ébavurer. Ébavurons. Ça fait des colonnes grecques. La musique. Voilà. On a remis à peu près les trucs d'aplomb. Y a pas qu'il y a pioche qui est en fin de vie, la pelle aussi. À part la hache. Durabilité 27. Ah ben ça c'est vide, ça c'est en train de se vider. Je vais peut-être en garder un, remarque. Hein. Un petit stack. Ça, c'est du grès. Non, le grès, je vais pas le garder. On va garder un petit stack de ça. Bon, ça, on peut le jeter. Des échelles, il m'en faudra encore. Ouais. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Hop. Bon, ben, c'est plein, là. Hop. Ok, d'accord. Ah, puis du salt. Le salt. Hop. Il faut un certain temps quand même pour la vider, hein. Ce qu'il faudra vérifier, c'est qu'ici... C'est combien les limites? Je me souviens plus. On a mis du 2 x 32, hein. Ouais. 2 x 32. Et ici il y a du 2 x 32 aussi. Ici il doit y avoir que 1 x 32. Mais pour l'instant on n'en tape pas beaucoup. On devrait en taper un peu. Mais pas de trop. Bon, et ben c'est bien ça. Milictote. J'espère que vous lictatez ça aussi. Tiens, hop. Après, on mettra la deuxième. Filtre niveau 3, ouais.
Donc, tac. Ce que je voulais surtout faire, c'est... Normalement, je vois pas pourquoi on en a besoin. Alors, normalement, après, c'est la 2, hein. Pas tout là, mais bon, si elle se vide, c'est le principal. Pendant ce temps-là, on va commencer les graines. Alors, expérience 6, c'est des tiers 4. Pour les faire, il va falloir donc 4 capsules d'expérience et de l'impérium, et puis toujours les fameuses prosperity. Nuit. Alors, une graine. 1, 2, 3, 4. Hop. Hop. Tac. De l'impérium. J'en ai pris 8. Il va falloir le cristal. Alors, le master. Et hop, du prudentium. Une fournée de prudentium. Tac. Du tertium. Et je pense que le suivant, c'est l'impérium. Voilà, 8 impériums. Comme il nous en fallait 4, et puis il faudra de l'impérium pour la terre de toute façon, et on va dormir. Faut mes boîtes, faut mes capsules. Je vais faire autre chose, le temps que je fasse ça, ça se vide. Hein. Là, il s'est vidé en plus, lui. Les capsules. Tac, 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 tac. Alors, comment ça marche? Tac, tac, tac. Les capsules, elles ont disparu. Ah brin. Par contre, on a notre expérience seed. Donc ça, on le fait pousser dans du... dans l'Imperium Farmland. Et ça nous donnera de l'essence d'expérience. L'essence d'expérience, eh bien, on fera une machine, un autocraft, pour nous faire des petites larmes d'expérience, et c'est ça qui pop hop. Par contre, on peut aussi les utiliser directement dans l'établi, donc on le fera pas en automatique les XP.
Alors il faut les faire pousser. Donc il me faut de la terre, il me faut une houe. Une houe de la terre. Et hop. Je remets ça. Quoique c'est plutôt dans ce sens là. Prudentium, tertium, imperium. Normalement les graines elles sont pas stockées ici hein. Alors on va la mettre où? On a de la place par ici. Oh bah on en avait déjà du... l'Imperium Imperium Farmland. Bon bah hop, on la met là. Oh, on va la mettre plus... bien planquée. Ici. Alors pour l'instant on en a qu'une. Bientôt on en mettra... dès qu'on aura l'occasion, on en mettra plus. Alors les graines, faudrait que je les mette, faudrait que je fasse des filtres à graines. Bah on va se faire ça pour enlever les graines d'ici. Parce qu'à chaque fois qu'on produit une essence, on a les graines hein. Mais on met tout ça dans un coffre. Bon, en attendant, on va replacer nos deux machines qui, je pense, voilà, sont vides. Et il faut faire gaffe, maintenant il faut plus sauter. D'ailleurs, ouais. Alors on va en mettre une... en haut on met les deux là. Ouais, on va se mettre les deux là. Et au retour, on en fera une d'un côté, une de l'autre. Et là, vous me dites, oh, t'aurais dû faire trois machines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste une embout, ça suffit. Une machine. On lui en met 1, 2, 3, 4, 5. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ça doit suffire. Laquelle arrive la première? Ah, il faut qu'on gratte 17 couches. Ce qu'il faut, j'ai pas vérifié, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de trous. Sinon, soit elle risque de s'enfoncer, soit elle s'arrête. Au mieux, elle s'arrête. Au pire, elle s'enfonce et bah, elles nous font des dégâts, quoi. Il n'y a pas l'air d'y avoir de trous. À une troisième machine, le problème c'est qu'on va passer notre temps à la vider quoi. Il faut pas qu'on reste trop loin des expériences hein, sinon les graines vont pas pousser. On va nettoyer.
Normalement ici je l'ai cassé. Ah non, j'ai pas recréé de craftage. On n'a pas recréé de craftage. Ok, alors quelles sont les graines qui viennent polluer? C'est les graines de copper. Alors, je les récupère. Les graines de copper et on va les mettre dans les filtres. Donc là j'ai un filtre où il faut que j'inverte. Donc j'ajoute les graines de copper, je les inverse et je les soumette. Donc on ne veut pas que les graines de cuivre remontent là, par contre on veut qu'elles aillent là. Donc là on les ajoute, on les met là et submit. Donc là je mets mes graines de cuivre, pop, et elles vont là. Ouh. Et dis donc, mine de rien, des diamants et des émeraudes, on en a. Hein. Des feux aussi, hein. Je les mettais de côté, on en a moult. Faudrait le mode pour garder les chunks. Ouais. Après, c'est des... Quand les zones deviennent très 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 grandes et compagnie, c'est des sources d'ennui. Hein. Quand les usines deviennent importantes, c'est des sources de lag. Hein. On vient d'en avoir une d'XP. Deux même. Et il en faut... Alors par exemple, si on veut se faire une raccommodage... Si on veut se faire un livre raccommodage, mettons-le dans le petit cul. Il nous en faut 256. Si on veut se faire une efficacité... Efficacité 5, il nous en faut 320. Il nous en faut 320. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? De la solidité. C'est de l'obsidienne, la solidité. C'est rigolo, ça. Et là, il en faut 192. Donc, il va falloir produire un petit peu quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Raccommodage, efficacité, solidité. C'est les deux mamelles. Hein. C'est quoi l'ingrédient pour raccommodage? Oh, c'est rien du tout. Il faut de la... C'est des têtes de Wither. On peut les faire avec des Wither Skeleton Essence. Les graines de Wither Skeleton Seed, c'est des tiers 5. Et il faut des Soul Jars qu'on peut remplir à partir du charbon. Donc on va regarder comment ça marche. Donc les Soul Jars, c'est des trucs à remplir. Ça se fait comment? Il faut un soulium ingot et 3 soul glace. C'est de la mémoire. Hein. Ah bah pour les trucs pénibles. Alors, le soulium. Je crois que c'est dans le côté... Je pense qu'il va falloir l'agrandir, hein, parce que là on voit rien. C'est pénible. Qu'est-ce qu'il fallait? Ah oui, sous le jar. Le soulium ingot, c'est 2 soulium dust avec un prosperity. Le soulium dust, c'est ici. Donc 2.
2. Ah non, c'est 4. Et Soulium Glass, Soul Glass, c'est de la du verre avec 4 Soul Dust. Donc là, il va falloir 4 x 3. 12. C'est Soul Dust. Ça, c'est du Soulium Dust. Ah. Soul Dust. Ah oui, c'est les trucs qu'il faut cramer 50 fois. Faut partir de la cobblette Soulstone et il faut la passer 3 fois. Ah ouais, ok. Donc, c'est pas ça. On en a pas? Si, on en a. Le modé, c'est super. Et puis à un moment donné. Là, le truc marche pas, mais on peut pas les faire marcher tous les trois en même temps. Celui-là marche pas non plus, donc je peux faire marcher celui-là. Ah, brin. Bah, j'ai refermé la porte. Oh! Ah, il y a un piège. Il y a un piège, on peut pas ressortir. Il y avait un piège. Voilà, faut attendre en fait. Ça se coupe pas tout de suite le truc. Donc, clac. Soul Glass, et donc maintenant je peux faire ma Soul Jar. Voilà, j'ai une Soul Jar. Alors comment ça marche avec le charbon? Faut que je trouve du charbon et que je le mine. Le problème c'est que quand il y en a, les machines elles me le mangent. Et Soul Jar avec 8. Et il en faut 4. Ah oui, donc il va falloir que j'en fasse 4. Ah, là il y en a. Ah ok, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une machine spéciale pour remplir les jarres. Sous l'extracteur. Ah d'accord. Ah. Ouais, mais il n'y a pas le charbon.
Ah si, il y a le charbon. Ah, un charbon, c'est 0,1. Il faut 80 charbons. Bon, ça va. Donc c'est bon. On n'est pas obligé forcément de le péter. La machine, elle nous le sortira. Ça va être bon. Ok, faut juste donc faire une un soul-extractor. Ouh, vache. Ça picote. Il va falloir faire une machine Fram. Soulium ingot. On sait comment ça se fait. On en a déjà fait. Soulium dagger. Il faut une épée en or. Avec deux soulium ingot et du soulium dust. Chraleur. Vous allez dire, non mais le Ced il est tout le temps en train de râler. Tout le temps. Il va falloir retourner au Nether. Alors il y en a une qui s'est retournée, on dirait. Ah ouais, c'est Bit Traviole celle-là. Quelle drôle d'idée. On va peut-être récupérer des trucs là parce que... Ah, quoique, il y en a là. C'est plein comment? Oh, ça va. Il n'y a qu'un coffre de plein. Et celle-là? Bon, ça fait qu'un coffre. C'est bizarrement rempli, mais ça fait qu'un coffre. Du coup, il y a du charbon à récupérer. Bon, un petit peu. Là, il n'y en a pas. Ok. Alors, on les démonte. Il y en a une que j'ai dû démonter. J'ai dû monter avec, à l'assembleur sans verrouiller le truc. Et on voit qu'elle est partie en... Ah non, ici c'était pas terrible, remarque. Déjà à la base. Ça sent le coin pénible. Alors attends, on va peut-être quand même torcher là. On viendra mettre ça d'aplomb quand on aura des outils mieux adaptés. Hein. Pour l'instant, on n'est pas... On n'est pas au mieux de notre forme. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être bon. On va en mettre 6 pour être sûr. Oh. Bon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oula, elle va... 25. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est là.
Et là, on va l'arrêter avant qu'elle plonge. Attends, ça va pas. Je l'ai pas mis au bon endroit. Elle devrait être à 6 de l'autre. On a pas l'air d'être du tout à 6 là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah si. Je pense que c'est quand elle tape le charbon. On dirait qu'il y a du monde. Hop. Pourquoi vous voulez que j'aille dans le nether? Y a pas besoin. Je vous assure qu'il y a absolument pas besoin d'aller dans le nether. Attends. Fasse une machine. Vaudrait mieux que je la fasse là, puisqu'il va me falloir plein de trucs là, plein de trucs désagréables. Il faut une machine Fram. Donc 4 fer, 4 4 redstone. La roche, ça serait bon. J'en ai pas. À côté. À tous les coups, il est coincé lui. 2048, 2048, ça sent pas bon. Mais je crois qu'il en fabrique plus. Attends, il est où le fabricateur de... Ah, c'est ça, il n'y a plus de charbon. Donc il est rempli, il en fait plus. A priori, bon, faudra voir. On risque d'en avoir besoin, mais pour l'instant... Ah oui, il a continué à charger ici. Ok, d'accord. Donc il s'embête pas dans ces cas-là. Il faudrait lui mettre un petit, une petite extension, peut-être. Surtout. Tac, on a la machine Fram. Donc, je vais lui remettre l'extension tout de suite, parce que... L'extension est là-bas. Elle est là. Hop. Une petite extension pour Pépère. Sinon, ça fait désordre. Tac. Donc. On vide tout. Et. Voilà. Vaut mieux le faire tout de suite pendant qu'il n'y en a pas encore de trop partout, parce qu'après c'est la galère. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Un soul machin chose. Une machine à remplir les souls. Donc il fallait une machine Fram, j'ai fait la machine Fram.
4 fer. Bon, ça, on va aller en chercher. Parce que j'en ai plus beaucoup. Et moi, j'en ai plus qu'un. Pendant que j'y étais, j'aurais dû regarder là-bas ce qu'il fallait. Hop. Hop. Donc il va falloir 2 soulium ingots. Pour faire ça, il en faut 4 en fait. Enfin, il en faut 2 pour chaque épée. Donc comme il en faut 2 pour chaque épée, il en faut 2 plus 2 plus 2, il en faut 6. Il me faut 6 soulium ingots et les soulium ingots c'est... Il m'en faut 6, donc il me faut 12 soulium dust. Et il me faut 6 lingots. Ça va coûter cher ça. Ça veut dire 6 x 4, 24. Pop. Pop. Et hop. On a nos 6 soulium ingots. Donc on a de quoi... Il va plus me manquer que les épées là normalement. Si je me mets là, voilà, il manque que les épées. Et donc les épées, c'est les soulium ingot. Il me faut donc 4 soulium dust et 2 épées en or. On n'en fabrique pas beaucoup d'or, dis donc. Ah, tous les coups on les fabrique pas. C'est parce que... Ouais, ouais, il n'y a pas la recette. Bah tiens, il faudrait qu'on le fasse. Oui, dispersons-nous. Dispersons-nous, il faut ça. Il faut de l'essence d'or. Il faudrait surtout que ça soit relié. Faudrait soit plutôt là et ça. Ah, ça a été zut. Ah, et puis les clés vont pas être là. Ah, oh, brin de brin. Oh là 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 là. Clé de blocage. Tant de panique, tant de panique. Après faire 36 trucs en même temps, moi je recommande pas. Hein. Voilà, on va le bloquer ici. Donc l'or est ici. Donc il va me falloir des tuyaux de pipèze pour aller chercher l'or. Qui est là? Donc tac. Et on va... Tac, destination 7. Donc rajouter... J'ai pas pris d'essence. Oh. Je crois que 8 c'est suffisant. Hein. Ouais, c'est 8. Donc on met ça ici. La clé, elle est où? Elle est là. Thank you.
Maintenant ça arrive ici et là normalement ça doit aller. Alors bah ça faut le ramener après là-bas. Là ça y va. On aime ça. Attends, je vais... Bah, les outils, on va les mettre là, en fait, hein. Non. Ce serait pas une bête idée. Les trucs qu'on utilise assez souvent. Mais pas trop. Ouais, donc comme les autres sont pleins, ils sont en train de se charger ici et ils vont finir par tout boucher. Ouais. En fait, quand j'arrête, il faudrait que je coupe tout. Je peux pas arrêter momentanément, c'est mal fichu. C'est mal fichu. Vu la pause qu'on a fait, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à aller chercher nos machines? Ah bah, il y en a une qui est déjà là. Oh, j'ai oublié de la boucher. Ah, j'ai oublié de la boucher, elle a fait un trou. Quelle horreur. Bon, on ira la dégager après, on va aller dormir. Ah, brin de brin. Brin de brin de brin de brin. On va torcher le thé. Hop. Donc on va aller chercher notre pauvre machine. Les trous pourris que ça fait. Et on va la renvoyer. Alors on en est où du grattage? On a gratté là, ben on va gratter ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Tac, 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 tac. Tac. Le problème c'est que tant qu'on l'a pas posé, on sait pas combien il y a de trucs dedans. Bon, elle peut encore en remplir encore 3, hein. Facile. Pas exagéré. 11 et 5, je pense que c'est bien. Même lui en enlever un peu. Souvent on tourne à 6. Sachant qu'il y en a peut-être dans d'autres. Non. Le Nether n'existe pas dans cette version. Tout à fait. Bande de petits voyous. Et hop, c'est parti. Ouf. Alors, si on le fait dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on fait ça. Là, on passe là. Plop, plop. Et on va l'arrêter On n'a pas des blocs de brin Oh bah si. Et on va l'arrêter comme ça. Non, pas comme ça. Donc là elle pourra pas se... On va l'arrêter par un double mur. Le truc pourra pas poser de rail. Donc elle, normalement elle devrait s'arrêter net. Schlack, elle s'arrête net. On n'en parle plus.
Non mais, sans blague. On n'aime pas beaucoup le grès, les gars. Elle peut descendre, Jim. En fait. Elle a cette... Elle échappe, en fait. Elle échappe à la volonté de son maître. Et... Elle a une vie propre. C'est Frankenstein. Cette machine, c'est Frankenstein. Faudrait que je fasse ça quand j'aurai un des meilleurs outils là, parce que la deuxième machine, par contre, elle est où? J'ai bien envoyé deux machines là. Ah, elle est peut-être partie de l'autre côté. Elle était à l'opposé. Frankenstein. C'est qu'il y avait une chanson, les oh, Frankie, ouloudi, youli. C'est bon, Frankie. Bon, le problème quand elle fait ça, c'est pop et elle redescend. Et là, elle s'arrête. Elle est pénible, hein. Elle est pas sympathique tout le temps, hein. Alors attends, j'enlève tout ça. Donc là, faudrait qu'on gratte ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Le truc, c'est qu'elle va peut-être être pleine. Ouais, elle est quasiment pleine. C'était des pénibles? Ah ouais, c'est un raid. Ça, ça... Ouh, vache. Ah. Est-ce qu'on a du sable? BZF. Enfin, le faire en plusieurs fois. Ça pour l'instant. On récupérera, hein. C'est pas perdu. Hop. Faut vachement inspecter tout, hein. Il y a des pièges partout. Ah tiens. Oh bah. Là c'est carrément des...
J'espère aussi qu'il est pas trop, que c'est pas une caverne trop trop grosse. Hein. Après, on descend, à 19, hein, je crois, donc ou 17. Ça passe encore. Hein. Donc l'autre, elle est là-bas. Je vais mettre celle-là à décharger. Il va falloir refaire des échelles. Sinon, on n'arrivera plus à revenir. Alors, attends. La déchargeuse, elle se met là. Hop. Bisous, bisous. Attends, il aurait pas fallu qu'elle décharge les rails. Trop tard. Ah, bah. Bon, je sais pas où elle les amène après. Ah, bah, elle les met là. Ok. Ouais, tout ça, tu me le donnes. C'est à moi. À moi, à moi, à moi, à moi. À moi. Bon. Qu'est-ce qu'on était en train de faire sinon? Dès que possible, check la présence d'une deuxième graine d'XP. Ouais, Jim, pas bête. Puis ça nous reposera pendant ce temps-là. Hein. En profondeur, 19. Pas en largeur. Hein. Ça, c'est de la nature. Non, il n'y en a pas. Après, on en a 17 hein, d'expérience. Donc, ça va être assez lent. Hein. Ça va être assez lent. On va aller chercher la deuxième machine. Non, non, c'est pas la couche 19. Attendez, Le tirando. Non, le tirando est de 13 blocs. Donc plus 2, c'est 15 blocs. En fait, on descend à 15 blocs. On descend. Oh, il va déjà faire nuit. On descend ici. On l'a déjà fait en fait le 15 blocs. On descend pas plus bas que ça. Ah ben elle est tombée la machine. Ah. Ouais, faut absolument la bloquer hein. Sinon à chaque fois ça va mal finir. On va dormir et on va aller la récupérer. Ouais, faut l'empêcher de partir hein. Sinon puis elle fait des trous, elle bourrine comme une malade. Ah, quoi qu'il aurait fallu que je descende là-bas. Je suis pas sûr que d'ici il y ait des descentes prévues. S'il y en a une, mais elle est là. Ah, brin. Bon, après, on peut descendre comme ça. Hein. Ça mange pas de pain. D'autant qu'il va falloir reboucher son trou à l'autre. Hein. Ah. On va regarder. On va tout de suite les repérer, les récupérer. Bon, elle est pas complètement pleine, mais bon, on va la mettre au vidage quand même. Et on va re-remplir ça. Parce que ça sera le fond du dock. Ouais, alors en sable. Eh. Hey. Oh. Allô quoi. Voilà, un beau fond, bien uniforme. Ça, faudra le finir à la main. Mais on viendra le faire quand on aura des outils. Et donc on va pas plus profond que ça. Le tirando du Titanic est pas énorme, énorme. Dans la réalité, il est de 10 mètres et demi. Sauf si je me suis trompé, mais je pense pas. Après, il est possible que je me sois trompé à force de faire des calculs dans tous les sens. Et pas mal, l'or.
Non, toujours pas de graines. Toujours pas de graines d'expérience. On va passer tout le live devant, hein. Faut pas les louper. Hein. Dès qu'on en a une, on double la production. Alors. Mais non, faut arrêter de faire ça là. Oh. Non mais c'est juste pas possible. Ça commence à m'énerver d'une manière voluptueuse, mais néanmoins énervante. Ah bah vous confirmez, 10m54 pour Zulu Live et Extra confirme. Suffisant pour accrocher un iceberg. Bah un cas fleur, ouais. Il était suffisant pour se faire racler toute sa surface. Ouais. Après les cailloux, les icebergs, il y en a des gros. Hein. Bon là, il faut qu'on fasse gaffe parce que souvent il enlève ce bloc là et après clac, il tombe. Et du coup il me... Il me pète tout ça et on est obligé de se retaper le... Alors, vous vous souvenez de laquelle on a mis de machine? Ah ouais, surtout qu'à chaque fois... Ah non! Non, ça va pas ça. Trop dangereux. Attends, vider nos cochonneries là parce que c'est plus possible. Alors là, j'en ai pas trop de cochonneries, mais là, je commence à en avoir un petit peu. Ouais, j'ai ça, 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 ça. Alors, ça, ça, ça. Les pépites, faudrait que j'aille les remettre là où ça devrait être. Tac, tac, tac. Salut à Joachim. Les pépites, c'est ici. Les pépites, c'est ici. Alors, laquelle on n'a pas vidé du coup? Faudrait pas que j'en ai deux en même temps au vidage parce que ça doit être la 2. Ou la 1. Non, c'est la 1. Ouais, parce qu'en fait, quand on l'actionne, elle vient se mettre là. Elle s'est carrément mise de traviole, cette andouille. Ce qui manque, c'est que là, elle se détend, mais pas ici. La pousse. Oh, ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. Je vais mettre du rail normal. Et là, un rail non alimenté. Pour qu'elle se bloque dessus.
Ah ouais, mais comme c'est pas alimenté, elle est même pas active, cette andouille. Ouais, elle se met de traviole. Pourquoi elle se met de traviole? Parce qu'elle n'a pas été construite correctement. Quand ça marche, c'est formidable. Sinon, c'est quand même un peu de la merde, hein. On est d'accord. On va faire l'inverse. Va quand même le bloquer ici. Pourquoi il y en a un qui s'active et pas l'autre? Il n'y a plus rien qui marche. Bon, on va le faire comme on le faisait jusqu'alors, donc avec l'assembleur. Puisqu'avec l'assembleur, il marche. C'est très très étrange cette histoire. Ah, c'est pas gagné. Si, parce que t'as vu avec l'assembleur de wagonnet, ça fonctionne. C'est bizarre. Ça est bizarre. Ça est bizarre. Bon, en attendant qu'il se vide, on va continuer notre petite machine. On en était où? Fallait qu'on fasse. Pop, pop, pop. On a ça qui prend de la place là, ça m'énerve. On va en profiter pour vérifier si on n'a pas d'autres graines d'expérience. Parce que je commence à en. Non, toujours pas. Après, on en a 21. Hein. Je vérifie. C'est des graines vertes. Ça, c'est des natures. D'ailleurs, à ce propos. On va aller les filtrer, les natures. Donc on veut pas qu'elles aillent là. Je sais pas combien on peut en mettre. Donc nature. Inverted. Hop. Et ici. On veut qu'elles aillent là. Elles sont bien arrivées là. Bon, c'est des tiers d'eux. Est-ce qu'il y avait des élémentales? Ah oui, les figures sites, c'est des élémentales. On va en garder un stack et puis c'est tout, hein. Enfin, quoi que si après on trie, on pourra pas dire on en garde un stack. Faut en rajouter, hein. Extra nous dit que le Icon of Vesuvius, dernier né en 2023, c'est 9 mètres 4 pour 365 mètres de long et 48 de largeur. Donc pour vous situer, le Titanic, la longueur c'est 269 mètres, donc 100 mètres de plus là, et la largeur c'est 28 mètres, donc là 20 mètres de plus que le Titanic.
Tac, tac, tac. Mais bon, c'est après, c'est des bateaux en U, hein. C'est des bateaux. Les coques. Les coques sont des U, hein. Déjà, le Titanic, c'en était un. Au centre. Après, il est très effilé, mais au centre, c'est un U. Ceux-là sont du même tonneau, hein. Précédent était à 16 mètres, ils sont passés 16 mètres à 9 mètres. Et puis ils sont blindés de système maintenant avec des hélices dans les autres sens, enfin anti-roulis, anti-machin, anti-tout. Pop, 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 pop. Ouais, donc ça roule. Ça c'est. Ça, il faut se méfier, hein. Ça va mal finir. Peut-être rebalancer de la graine de charbon dans le système parce que ça va bloquer, ça va bloquer. À cause de ça. Pourquoi les bloquer la graine de charbon? L'essence de charbon, elle est là. Ah ouais, on a fait le cochonou. Est-ce qu'on peut la rétablir? Elle va se recharger là. Alors quand ça va trop vite, ici ça charge trop vite, plus vite que ça ne part, et le coffre finit par... C'est-à-dire qu'en fait lui, il ne peut plus charger dans le coffre, donc il balance à côté. Il se bloque pas, il s'arrête pas parce que il teste pas si le truc... Oh, pff, il dit bon, bon, je délivre, je délivre, je délivre. Et le coffre, il jette à côté, lui. Bon, alors, on en est où? Donc là on l'a vidé. L'autre, la précédente, on l'a vidé aussi. Je ne sais plus. À faire 36 trucs en même temps. Je ne sais plus. Alors celle-là, on peut la récupérer. Qu'est-ce qu'il faut gratter maintenant? Il faudrait gratter ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pourquoi il se met là-bas? Je l'ai installé là. Il en met une sur deux. Ah, il en a pas assez dans.
Pas oublier ça. Important. On va venir y... Bon, la fin là-bas, elle doit être correcte. Surtout ici que ça... Ça part en n'importe quoi. Ah oui, donc... Ouais, c'était ici que j'avais prévu un super mur d'arrêt et ça n'a pas marché. Quoique non, il l'a pas encore fait. Alors attends. Là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va essayer d'en mettre une là pour gratter ici. Une dans l'autre sens. J'aurais pu la mettre dans ce sens là, mais je voudrais tester l'arrêt. Et wafer en attendant en fait. Je suis pas sûr que t'avoir dit bonjour. Ouais, je suis pris dans mes trucs là. C'est compliqué hein. C'est pas simple. La vie est dure. La vie est dure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut 3. 1, 2, 3. Donc c'est là. Je le place Elle a bien été vidée celle-là. Donc on lui met 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop. Tout ce qu'elle a gratté, mais... Bon, elle a pas été trop loin. Hop. L'autre qui arrive en face. Je le mets sur la même ligne. Ouais, ça doit être rigolo, Philbur. Et salut Copernic Dudule, merci pour le raid. Les petites lucioles, c'est mignon. Ah brin, il va me falloir du sable. Oh non, des pénibles. Ah brin. Oh, je vais mourir. Ah. Ouf, la chance. Oui, c'est truffé de trous. Merci Clampin pour le raid. Ah. Brin. Merci Dudule pour les 44 mois d'abonnement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Et merci pour le soutien. Bon, on n'est pas dans le brin là. Règle numéro 1. Oui, revenons aux essentiels. Règle numéro 1, on mac. On se remplit la panse. On se fait un établi. Don't panique. Depuis le temps qu'on voulait se faire des échelles, paf, 36. Non, c'est pas comme ça une échelle. C'est comme ça. Hop. 15.
Tac, tac. Et on grimpe. Et là, mauvaise surprise. Non, c'est bon, il n'y a personne. Allez, on va dormir. On vérifie qu'il n'y a personne. Personne à droite, personne à gauche. Hop. Personne derrière. Ah, brin. Paf. Salut Edgy, salut Berla, salut Balou. Bonne soirée à vous. On est en train de se terminer doucement sur notre petit Titanic à Gisèle. Et on en bave. Et on en bave un peu. Et qui c'est qui a torché ça? Alors, il va me falloir du sable. Ah, du sable, il y en a plein là. Hein. Ah, je suis plein. Ah, ça, c'est original. Attends, le soulium, l'or. Tout ça, c'est pour tout à l'heure. La machine Fram. Pourquoi j'ai récupéré du rail, là? Pff, fatigue, fatigue, fatigue. Pourquoi elle a arrêté celle-là? À mon avis, il doit y avoir du déchargement de chunk. De temps en temps. Alors. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai fait de mon casque? On va mourir. On va mourir. Trop de panique. C'est pas la... Il vaut mieux s'équiper de son scaphandre avant d'aller sous l'eau. C'est mieux. Sauf que je l'ai pas le scaphandre. Ah si, il est là. Ok. Plop, voilà. C'est bon. Je peux respirer sous l'eau. Ah. Ah, il faut remplir tout ça de flotte. De sable. Et il faut faire gaffe où il est le trou, parce que il faut pas s'enfermer dans la galerie, hein. Couche 48, c'est moins 19. Je suis à 53 là. On aura le temps de voir venir. C'est bon. Après, pour se délasser, on ira se faire un temple de la mer. Et hop, voilà, on a bouché ce trou. Celui-là, il gêne pas, il est à 5. Là-bas, il n'y en a pas de trou. Tac, 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 tac. Là-bas, c'est quoi? Ah oui, c'est le truc qui n'était pas fini. Ok. Là, on a notre machine. Et à chaque fois, elle redescend en... Elle redescend d'un cran. Ouais. Combien il y en a là? Elle peut refaire un demi-tour, hein. Ça, c'est la... C'est la numéro 1. Elle fait une marche arrière. Et du coup, comme elle est en marche arrière, elle doit pas creuser. Et à chaque fois, elle refait clac clac. Alors on pourrait la mettre.
renvoie. C'était 3, je crois. Chaque fois, elle laisse 2 crans. Alors, comme si les 2 premiers crans les mangeaient pas. Bon, faut vérifier qu'il n'y ait pas d'autres trous. C'est tout de la flotte en fait. Faut vérifier qu'il n'y ait pas de trous au milieu et avec de la flotte. Je me demande s'il n'y en avait pas. Ceux-là, je les ai rebouchés. Ça va. Il va passer en dessous, mais c'est rien de le laisser. Et ici, c'est bon. Et là-bas, il va. Il faut l'arrêter avant que. Deux, trois, quatre, cinq, six. Si on veut qu'elle mange tout, ou qu'elle en mange une bonne partie, on va l'arrêter là. Hop. Ça devrait suffire. Donc un mur de 2 crans pour pas qu'elle puisse placer un rail de traviole, qu'elle monte et... Bon, elle nous fait des trucs bizarres. Hein. Des fois, elle nous fait franchement des trucs bizarres, cette machine. Elle est vraiment pas claire dans sa tête. Hein. Bon, faut qu'on bosse sur la graine d'expérience. L'autre, elle est arrêtée là. Ouais, c'est ça qu'elle fait, en fait. Elle arrive ici, elle s'est bien arrêtée. Et après, elle recule, elle vient là. Donc, elle nous a fait un travail assez propre, en fait. Zer propre, hein. Good, yeah. Il n'y a plus qu'à enlever ça. Enfin, hormis ce truc-là, je sais pas si elle qui l'a fait, mais... On fait une petite pause technique. Surtout qu'elle a réussi à remettre une torche de redstone ici. Je reviens tout de suite. Hop. Me revoici, me revoilou. Il faudrait qu'on lui fasse gratter ça. Attends, oui, il y en a une qui arrive ici.
Oh, je ne sais plus. Comment c'est censé marcher? Non, il y en a une qui vient par ici, là. Ouais, elle arrive. Donc, on va la faire partir dans l'autre sens. Donc, j'ai fait cet arrêt-là pour rien. C'est pas grave, hein. Qui peut le plus, peut le moins. De ci, de là, travail, câlin, câlin. 1, 2, 3, 4... Toc toc. De rien, on récupère de l'XP, hein. Tiens, on avait oublié de la flotte, là. Alors, on fait des sources infinies. Où qu'on grimpe? On grimpe là-bas. Bon, il va y avoir des... Si on veut du gris partout, il va y avoir des trucs à réarranger. Allez, on va s'occuper un peu de nos graines parce qu'on a nos outils qui sont dans un état lamentable. Donc on avait une machine à fabriquer. Une soule, machin chose, truc mûche. Un soul extractor. Et il fallait qu'on se fasse des soulium. Donc il faut que je rajoute, récupère 4 soulium dust. C'est les bazars qui se crament. On doit en avoir. Soulium dust. Donc il m'en faut 4. 1, 2, 3, 4. Il me faut mes épées. Alors attends, faut que je récupère ça. Tac tac tac. Du coup, j'ai plein de bras à acheter. Ça, ça, ça. Ça. C'est vraiment toi. Oh, un casque en or. Ah ben oui. Je peux remettre mon équipement. Lui, il morfle le plastron. Faudrait que je le répare. Déjà pas mal. Allez, on peut le remettre à 9, hein. Du parrain. Hop, je fais 2 épées. J'aurais pas tassé. Deux épées en or. Là-dessus. Hop. Donc j'ai des soulium dagger. Ça fait quoi ça quand on tape des mobs avec ça? J'ai pas mon machine frame. Ah, je l'ai pas pris. Enfin, j'ai mon soul extractor. Où est-ce que je vais aller l'installer? Pas avec les machines créates. Avec le coin mystical. Ouais, mais en extérieur. Est-ce que j'ai un petit champ, un petit... Ouais, j'ai mon petit... on va dire que c'est ici. Ah, j'ai pas vraiment de place là.
Où est-ce que je vais m'installer? Ou alors il faudrait que j'allonge le... Ah oui, il est pas... Attends. Il est pas bon le truc. 3, 3, 3, 3. Ah oui, il y a le sous-sol qui est tout moisi là. Normalement, ça aurait dû tomber ici. Donc ça veut dire qu'après, 1, 2, 3. On est ici. Ouais, ok. On a un peu de place. Il faut tout, il faudrait tout revoir quoi. J'ai plus d'outils. Bientôt on va avoir masse d'XP. Je vais pas en refaire des nouveaux. Ça de toute façon on coupe. Tant pis pour l'élément. Ah, quand même pas en sous-sol. Sous-sol, c'est bon pour les tuyauteries. Alors. Il nous faudrait de la co bleue. De la co bleue, j'en ai là. Tac. Quoique, après, il faut la recasser l'autre. Mais on le fera plus tard. Ouais, parce qu'on fait des fondations, hein. Ici, vous êtes sur la chaîne du RP. Donc, on tourne ici. Tornicotti. Donc, l'escalier, on le fera ailleurs, après. On va là. Ça, faudra qu'on le dégage. Donc, on sera ici. Donc là, on va être là. Oh, une pomme. C'est amusant. Oh, des citrons. Est-ce que j'ai des... Ouais, j'en ai. Je vais le mettre tout de suite. Donc là, on... C'est pas facile. Ici, on va avoir notre coin. Pap, pap. Bah, l'établi, on va le mettre dans le coin. Et on va mettre la machine à côté. Le Soul Extractor. Tac. C'est joli. Oh. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon Soul machin? Je l'ai mis quelque part? Je le trouve pas. Ah, brin de brin. Alors, attends. Non, c'est pas le bazar dans mon... Ah, il est là. Ma soupe jarre, elle est là. Oh, ça sent pas bon, ça. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il est... Il est pas autonome ce mode? Il peut pas fonctionner tout seul? Qu'est-ce qui pourrait générer des FE? Ah ok, c'est le charbon qui charge. Ok ok, il est autonome. Ah bien. Ah par contre, je voulais mettre du charbon moi. Attends, c'est plutôt comme ça alors. Ah voilà. Ilictat. 0,10. Bon, il va me falloir du charbon les gars. Il va nous falloir du charbon. On s'en tape, on en a plein mais... Enfin, on en a eu plein.
Et ça se raréfie un petit peu. Ouais, parce qu'en fait, il en faut un pour 8 stones, alors... Et derrière, ça a été, les gars? Vous avez dû faire masse de trucs, là, non? 8975? Bande de petits coquins. Alors, 80. Ah ouais. Ah oui, c'est bon. Largement. Je récupère les citrons, c'est des citrons bio. Alors attends, tac. Ça va être largement bon. Vous inquiétez pas. Alors attends, je vais aller jeter les trucs que j'ai en trop dans mon inventaire pour avoir un inventaire bien propre. Pour pouvoir après donner des leçons à tout le monde. En disant, c'est important les gens, d'avoir un inventaire propre. Si tu veux réussir ta vie de stream, de gamer, gamer professional of Minecraft, il faut que tu aies un inventaire propre. C'est important pour toi. Et pour ta famille. N'oublie pas ça, jeune Padawan. Ouais, ouais. Moi, le reste, je transforme. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je fais n'importe quoi. Et vous pouviez pas me le dire. Ça fait quoi, ce truc? Ça remplit des choulgères. Eh, hey. Oh, ça remplit des soulzards de wither squelettes. C'est important. Grâce à ça, on va pouvoir faire de l'essence de wither qu'on pourra transformer en livre de raccommodage. Ah, mais, eh, hey. C'est puissant comme truc, hein. Non, non, ça a été... C'est très, très, très puissant. C'est trop puissant, même, peut-être. C'est trop puissant. On pourra peut-être faire des crânes après avec, vous croyez? Non, moi j'y crois pas. Hein. Ah si. Faut encore du soul dust. J'espère qu'on en a assez, qu'on sera pas obligé de retourner dans le Nether. Est-ce qu'il y a des essences? Est-ce qu'il y a des essences pour faire ça? Ah non, brun. Il y en a pas. Oh, c'est une honte. On peut booster la chose avec de la lave. Là, c'est la place pour les boosters. A booster. On peut faire un Inferium Machine Upgrade. Elictate. Ah, disons, le truc de base, il coûtait. Un diamant, des Prosperity Ingot. Eh non, ça c'est pareil, c'est que du minage. Hein. Moi je suis pas pressé. Hein. Il faut juste en faire 4, remarque. Hein. Parce que pour faire... Qu'est-ce qu'on veut faire là au fait? On va faire des crânes. Je mets le petit cul. Ça veut dire qu'il faut faire de l'essence. Ça veut dire qu'il faut faire des Wither Skeleton Seed. C'est des tiers 5. Hop, hop. Il faut 4 soul gères. Donc il en faut 3 autres. Et il va quand même falloir masse de charbon. Hein, au passage. Donc les soulgères, il va me falloir 3 soulium ingots. Les soulium ingots, donc il me faut 6 soulium dust. De la poussière de soulium.
m'en faut 12. Ça diminue à vitesse. Voilà. Il me faut donc 3 fois 3, 9. 9 sous le glace. Fois 4, 36, il me refousse 36 sous le dust. Alors là, c'est des sous le dust, hein. C'est pas des soulium dust. C'est pas la même chose. C'est à dire que ça se fait à partir de cobblet sous le stone. Donc il m'en fallait combien? 3 fois 4, 12. Non, plus que ça. Non, non. Il me faut 3. Donc 3 fois 3, 9. 9 fois 4, il m'en faut 36. Donc il faut 36. Cobblet sous stone. J'espère que je me trompe pas dans les calculs parce que souvent je me trompe pas. Hein. Oh. À une époque j'arrêtais pas. C'était horrible. Et en plus là, avec ma machine infernale, on peut en plus se cramer. Donc faut passer 3 fois dans le truc parce que la cobblet elle va être transformée en. On peut l'ouvrir juste quand c'est terminé, hein. Bah, hein. Comment que ça se fait que ça va pas vite comme ça? Ah ça y est. Donc ça se transforme en soul stone. On remet la soul stone. Ça va se transformer en smooth soul stone. Donc ce qui rentre dans la composition des smoothies. Tu n'iras pas dans le nether. Non. Je n'irai pas dans le nether. Tu vas réfléchir à ton avenir et tu vas arrêter d'aller dans le nether. Hop, c'est bon. Le smooth. On remet le smooth. Pouf. Et ça va nous donner ce qu'il voulait, la poussière. La poussière de brun, là. N'oublie pas de voir où sont les machines, nous dit Filbur. Si qu'on va les oublier. Voilà, ça y est. Hop. Donc on a nos 36 sous le dust. Du coup, il me faut 3 verres. 1, 2, 3. Hop, hop. Ah non, il fallait 9 verres. Donc il m'en faut encore 6. 2, 3, 4, 5, 6. Attends. Je vais le faire comme ça va être mieux. Hop, hop. Et hop, hop. Voilà. J'ai mes 3 sous le jarre. Ouais, le truc, tu ouvres la porte, tu passes devant. D'ailleurs, ça m'est arrivé tout à l'heure, c'est pour ça que je garde ça. C'est pour ça que je garde ce petit pédiluve. Alors, c'est là-haut, c'est là-bas. Par contre, on va pas avoir assez de charbon, mais il y en a dans les machines. Parce qu'on a dû en gratter un peu. Oh, celle-là est pleine. Oh, bonne nouvelle. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. On va aller chercher le charbon qui est dans les machines. Parce que là, je vais plus t'avoir assez. On va plus t'avoir assez pour. Alors, elle. Oh, brun.
J'ai pas l'impression qu'il y ait de chef. Ils vont mourir. Il est de l'autre côté, votre chef. Et vous venez vous battre, les gars. Eh, bande de pleutres. Allez, venez, rapprochez-vous. J'adore leur manière de mourir. C'est quand même assez particulier, hein. Blair, 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 blair. Ah oui, il doit y en avoir dans la salle des coffres, du coup. Alors lui, s'est arrêté proprement. Voilà. Alors à chaque fois, tac tac, petit aller-retour. Mais c'est pas grave. Alors charbon. Il y a un seul truc qui m'intéresse en fait. De toute façon, on va pouvoir aller le vider. Il faut récupérer ça et ça pour pas que ça parte dans les tréfonds des profondeurs abyssales. Il n'y a pas grand chose, les gars. Hein. On va pas dire, mais il n'y a pas grand chose. Plap. Par contre, après ces petites structures de brins là. Et les machines, je vais les faire les unes après les autres parce que sinon... Donc à la question, est-ce qu'on aura fini le doc aujourd'hui ? La réponse, je crois que c'est non. En fait, il était bien, mais... la machine, la désableuse. Et donc elle se vide. Alors, donc je dois avoir du charbon ici. Ah ouais, 166. Pas mal. Décontracté. Ah, pas de prédit, ouais. Oh, il faut gratter, hein. Il y avait quand même du monde à... Quand est-ce qu'on sculpte au moins un petit bloc du Titanic? Ben regarde, on a fait la coque là. Ah non, la coque elle est noire. Qu'est-ce qui était en rouge alors dans le Titanic? On a fait une dalle verticale. C'est un bout du Titanic ça, J1. Ben on va attendre que... Ah ben si, la coque sous l'eau elle est rouge. Attends, je dis des bêtises? Si, la coque sous l'eau, elle est rouge, et la coque au-dessus de l'eau, elle est noire. La partie sous l'eau est rouge, la partie au-dessus de l'eau est noire, et les superstructures sont blanches. C'est simple. C'est pas faute d'en avoir posé des blocs. Quoique, sous l'eau, la coque, c'était... c'est moi qui avais le pattern, non? Je sais pas si je te l'avais filé. On en est où là? Ah, il n'y a plus de jus. En même temps, alors ça serait peut-être pas mal de l'alimenter avec de la lave, non? Ça serait pas plus économique? Parce que de la lave, il y en a. On sait en mettre. On va l'alimenter avec de la lave. La partie sous l'eau est rouillée. Ouais, t'en fais toi de l'art. Hein? Non, oh. Alors, j'ai peur. comment dire? Je m'étais dit, je vais faire un trou pour aller récupérer la lave, mais... quelque chose me dit que ça va mal finir. Oh, c'est pas vrai! Vous avez que ça à faire, les gars, hein. Oh!
C'est quand même pas une manif Matif du RN. J'ai une graine de love? Non, j'ai une graine de feu. À ce truc là on va le reboucher alors. Tiens, on va faire de l'obsidienne, il va falloir de l'obsidienne pour faire la solidité. Alors attends. Graine de feu. Graine de feu. Et si c'est 4, il y a de quoi faire. Hein. Oh, c'est pas possible que ça soit aussi facile. Moi, je trouve que c'est un petit peu cheaté et mystical, non? C'est un peu comme de jouer avec le F3, non? Les allumettes, on n'y touche pas. C'est pour marquer le nom du Titanic. Ne m'appelez plus le Titanic. La petite Annick m'a laissé tomber. Ouais, on va peut-être le... Est-ce qu'on va avoir besoin de faire d'autres sous le machin? Parce qu'on va peut-être le booster le truc, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Par contre, ouais, rien que le premier niveau, il picote un peu, hein, quand même. Moi, je voudrais pas dire, mais... Petit cul. Déjà, il faut y faire ça. Ça, chaque fois, c'est paf, il en faut 4. 4 fois 4, 16. Non, mais sérieux, les gars. Pourquoi mon inventaire, il est déjà plein? Je viens de le vider, là. Ah oui, mais attends, il est plein de brins. Ça, on va pas le garder. Je l'utilise jamais, en plus, ces arbalètes. J'aime pas ça. Tiens. Ah, attends, l'autre... Bon, on va en de l'XP, on va en avoir... À propos, est-ce qu'on a une graine? Oui, 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 on a une graine. On a une deuxième graine. On va doubler notre production. Un peu de musique douce. Après c'est quoi? Il en refaut 4 et il faut un diams. 1, 2, 3, 4. Du diams, on en a plein parce qu'on a une graine de diams. Ouh, ouh. Vu qu'elle soit douce. C'est pas une chanteuse interdite, ça, Akiza? Bon, ça va pas. Si c'est pas déjà fait, ça va pas tarder, hein. Oh, machine upgrade de base. Ouh. Bon, après, il nous faut 4 machin comme ça, donc il nous refaut 4 prosperity, donc 4 x 4, il renous faut... Ouais, il renous faut 16. Je parle très bien français, hein. Et puis, hein, prout prout, hein. Pop, pop. Alors... Plaque. Je pense qu'on devrait être bon là. Pack. Alors ça va augmenter de combien? Attention les yeux. Ouh. Comment on le voit que ça augmente la vitesse? Parce que pour l'instant, ça a pas l'air transcendantal, hein. Bah
Me dites pas qu'on soit obligé de passer à ça. Disons ce que ça coûte en prosperity. Et le prosperity, ça se trouve pas sur le sabot des chevaux, hein. Il est plein. Hop. Et hop. Donc il en refaut 80. Déjà, on va lui en claquer 64 dans sa tronche. C'est bien la lave. T'as vu le truc, il est à fond là. Et les machines. Non, mais les machines, c'est très surfait, les machines. Ah oui, elle doit être vide. Faudrait la remettre en route. Attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres graines. Pour l'instant, on en a 44. Rien que, je vous rappelle que rien que pour faire un raccommodage, il va en falloir 256. Je pense qu'il va falloir mettre une tralée de graines. Notre bâtiment va être trop court finalement. On va peut-être le rallonger un peu plus pour les potes à graines. On va rajouter les potes à graines. Il est très propre mon inventaire. Pourquoi? En fait, vous êtes un petit peu jaloux. Parce que vous vous dites... ce gars-là, quand même, au niveau de l'inventaire, on peut pas lutter, quoi. Et ouais, mais je comprends. Je comprends, les gars. On va attaquer où? Alors, l'autre machine, elle est où? Elle est de l'autre côté? Ouais, mais ça, on le fera... Ah ouais, dès qu'on a du raccommodage... À votre avis, le raccommodage, on l'a quand sur les pioches? Il est propre parce qu'il y a tout le brin dans le sac à dos. Mais... Je suis choqué. Ich bin choqué. Vraiment, vraiment, vraiment choqué. Oh, mais... Tout le brin dans le sac à dos. Ouais, il faut qu'il arrête de faire des trous comme ça, là. C'est pénible. C'est pénible. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pour la peine, je vous montrerai pas mon sac à dos qui est super bien rangé. 1, 2... Attends, on va le... Pour le... D'habitude, je le mets en 3, on va le mettre en 2. Histoire de changer un petit peu le... Donc, on a la désableuse. Bloc. Il faut lui remettre un peu de rail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, il faut lui en claquer une. Tac. Et... Hop. Ah ouais, elle attaque bien. Donc faudrait... Là, je l'ai mis à combien? 2. Faudrait presque la claquer à 1 du mur. Alors, bah, elle va aller dans l'autre sens. C'est pas compliqué. Il te reste beaucoup de trucs, là. Il te reste de la place, moi, mes mères. Ah, on va peut-être aller te vider, hein. Ouais, on va peut-être aller te vider ta tronche, toi. Allez, hop. Ouais, je suis un petit peu familier avec mes machines. N'oublie pas d'aller faire la butée à l'opposé. Moi, je n'oublie rien, hein. Mais après, je fais des bêtises exprès pour vous amuser. ça pue. On va encore arriver de nuit. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Il y a personne, hop. Oh,
Heureusement qu'il y a des machines pour bosser. C'est un peu le but, hein. Créate, c'est le but. Règle numéro 1. Qu'est-ce que tu racontes, Xtra? N'hésite pas à t'exprimer. 2, 3, 4, 5, 6, on est là. Même si Macron veut pas, on est là. Alors, on va pas pousser plus loin. Hop, hop, voilà. Elle, elle va vraiment péter. 12. Ah oui, non, l'autre, fallait que je la vide. Bon, donc, le problème est réglé. Comment on va faire avec les outils? J'en refais une nouvelle série. Parce que là, ça marche. C'est clair que ça marchera pas. C'est mort. Hop. Le temps qu'on ait raccommodage sur la pelle et la pioche. Et qu'elle soit réparée. C'est-à-dire que derrière, on a de l'XP pour... T'as des diams, tu t'en fous. J'ai que 88 diams. Hein. Là, ça me fait mal. Là, ça me fait mal. Hein. Quelque part, ça me fait un petit peu mal. Hein. Elle en est où, la gère à truc? Ah oui, il faut que je retrouve du charbon, moi. Après, si l'autre il génère plus de charbon que de... Ah oui, non, il n'y a plus de charbon. Non, 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 il n'y a plus de charbon. Zéro charbon. Faudrait que je remette des graines de charbon, peut-être. En fait. Allons, mais c'est scientifique tout ça, hein. Bien sûr. Ah, c'est pénible, on est obligé de cliquer dans le pot pour mettre les graines. Ah, c'est pas rigolo, ça. On se croit avec des cloches. Alors, attends. Les joules, sous le gère, je vais les mettre là. Donc, j'en ai une vide. Et il y en a une qui est en train de se remplir. Bon, par contre, il y a quasiment plus de... Je sais pas si j'en aurai assez, hein. Ouf. Oh, je suis riche, je suis riche. J'ai que 88 diams. 84 maintenant. Par contre, j'ai plus d'argile, puis j'ai pas mal de sable. Et le sable, hyper compressé. Dans une super presse, ça doit pouvoir faire du diamant. Normalement. J'ai 347 lingots d'or. Après, on va faire des blocs d'or. Si on faisait un Titanic tout en or, on remet une graine de diams. Eh, c'est du tier 5. Non, c'est du tier 5, ça pique. Non, puis on peut pas tricher comme ça tout le temps, Jim. C'est pas bien, c'est pas honnête. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Ah oui, il fallait que je vide celle-là. Je fais trop de trucs en même temps. Ça nuit. Ça nuit à... Bloc. Ah zut, tac tac. Hey, y a du charbon là. Pop. Ça c'est du silex, on s'en tape. Et puis il y avait que ça. Est-ce que ça marche avec le charbon de bois? Hey, y a plein de charbon. Non mais franchement, vous me traitez de radin. Oh. Vous êtes pas très 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 gentil. Hein.
Les chats, allez. Voilà, les outils neufs. Balles neuves. Je vais aller les ranger les autres. On va peut-être pouvoir les réparer après. Les outils. Bon, je les place là en attendant. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Normalement, il y a une machine qui est en train de bosser là. Oh, bah, elle est déjà passée. Elle est passée par ici. Elle repassera par là. Elle court, petite machine. Et n'empêche que j'aurai des raccommodages. J'ai de l'XP à l'appel là. L'XP se ramasse à l'appel. Ah, ça fera. Ah, ouais. On place pas une échelle sur du gravier, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Il y a ça aussi qui va. Ouf. Oh vache. Ah, on est mal. On est. Très, très. Allez, comment je ressors, moi? Brin de brin. On est mal. On n'est pas bien du tout, hein. Ah vache. La tronche du truc. Je crois que j'ai pas assez de sable. Et il est très très. Eh, il est drôlement bien rangé, mon. Il est drôlement bien rangé, mon sac à dos. Bande de petits jaloux. Tac tac tac. Mini carte, franchement. Il y a encore des gens qui disent qui disent ça. Ah. Depuis que Goscinny est mort, ça n'a plus grand main d'intérêt, hein. Et bisous Akiza. Quelle heure il est? 19h05. Oh, on va quand même rester une petite demi-heure. Alors attends, je mets ça, je mets ça, je mets ça. Ouais. On balance ça, ça, ça. Ouh, quel bel inventaire. Ça, normalement, c'était la construction, c'était là-bas au bout. Natix qui balance là. Non, même quand J1 n'est pas là, je travaille proprement. Enfin, RP quoi. Bon, celle-là est vide. On peut la récupérer. Où qu'on va la poser? Et je l'ai laissé l'autre là-bas. Pourquoi je l'ai laissé? Oh, elle a fait encore un trou de brin. Oh, mais c'est pénible. Ça, c'est pénible, le truc que je redescends là. Comment on pourrait éviter ça? Ah, il faudrait l'empêcher. Attends, il faut faire un truc décalé. Pour l'empêcher de poser une torche. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ah oui, mais attends. Parce que... Aïe. 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 C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, ça. Non, mais ça devrait être interdit. Non, mais les blocs de pierre sur le gravier, c'est. Bah, le gravier, ça fait une bonne assise au niveau fondation.
Ça fait une très 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 bonne assise. Puis c'est provisoire parce que quand on grattera le prochain trou coup, on viendra remettre de la pierre, tu vois. Donc c'est propre. On peut pas dormir. Moi j'en ai marre. Le jeu il veut pas faire ce que je veux moi. Moi je veux dormir. Et j'arrive à dormir le jour moi. Pourquoi on peut pas dormir le jour dans Minecraft? Les Suédois ils dorment que la nuit. Alors que des fois ils ont une nuit qui dure 6 mois. Ceux qui sont vraiment très très... Les Suédois du Nord. Hein. Mais peut-être que les développeurs c'est des Suédois du Sud. Faire la plateforme un cran plus bas. Le problème après c'est que quand ça va descendre ça va creuser plus bas. Donc non c'est pas une bonne idée Jeff. Je pense pas. Non le... Ouais parce que le truc c'est que la... Le problème... Ouais le problème... C'est que si on ne peut pas mettre cette torche là. Oh brin! Mais ça m'énerve! Celle-là est quand même électrifiée. Donc en fait, il bute là et il retourne. Et ça veut dire qu'il faudrait en mettre une à 9 blocs. Ouais, on peut pas quoi. Ça veut dire qu'il faudrait l'empêcher de mettre 9. C'est ça un truc dans ce style là. Hein. Je vais me faire mal là. Ah non! Oh joli. Par contre j'ai perdu une torche. Je vais aller la chercher parce que... Oh c'est quoi ça? Ah oui on voulait aller chercher du sable. C'est ça qu'on est... Ah vache le trou qu'il y a là. Quelle horreur. Quelle horreur. Elle est où la torche? Il n'y avait pas une torche? Oh bah brin. Ah, il y en a une là. Il n'y en a pas dans la désableuse du, du sable. Bonsoir. Bonsoir Loralek. C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il y en ait. Heureusement qu'il y a des gens, hein. Je pourrais pas dire, là, les anciens du live qui sont là depuis un bon moment et qui savent pertinemment qu'il doit y avoir du sable dans la désableuse. Ah ouais. Ah, il n'y a pas que du sable, il y a aussi du grès. Bon, on va... On va rustiner ça un peu, sachant que vous allez me dire, ouais, mais c'est pas suffisant ça. Il y en a à côté. Ouais, il y en a là. Mais on verra au moment où, où on passera. De toute façon, ça doit pas gêner les rails. Donc toc 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 toc. Et là, toc 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 toc. Toc, 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 toc. C'est profond, hein. Vache. Toc, 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 toc. Vache. Est-ce qu'on peut la renvoyer dans l'autre sens? Oh oui. Oui, largement. Sinon, j'en ai une autre à lancer. Ouais, on va d'abord lancer l'autre. Alors j'aurais bien gratté ça en plaçant un... Vous voyez ce que je veux dire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là on est là. Si je... Non, si je fais pas ça. Je m'en moque, j'ai des outils neufs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Si c'est RP ça tient, hein. C'est du solide hein. C'est collé avec du néoprène.
C'est de la colle le néoprène ou c'est juste du plastique? Le plastique, c'est fantastique. Là, faut pas se faire pousser par la machine. Hein. Hop. Oup. Hop. Ah, comment je passe moi? Alors, il faut lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 7. Allez, hop. Un petit un de plus. Oh, allez, même, allez. Ne soyons pas chiches. Ne soyons pas chiches. Hop. Ouais, ça marche. Ouais! Encore une victoire de Canard WC! Ta 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 ta! Oh! Qui c'est comme. Il est plus là, J1? Ah vache, il y a toute la longueur comme ça? Ah! N'a pu! Ah, même là, il n'y en a plus. Oh, brin de brin. Il fallait que j'enlève ça aussi. Alors, on va démonter celle-là et on la met à l'envers de l'autre côté. Tac. Donc, on est censé péter ça. Il y a un truc à récupérer là. Hop. Non, trois fois son nom, c'est Enfin, je peux pas dire son nom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est... Bon, bah là, il y a ce qu'il faut. Ah, il craque le... Ah, bien vu. Sauf que quand il y aura plus de sable, donc là, ça va plus marcher. Attends, il faut... Ma pelle. Donc ça, il faut que je le pète... à la mano. Pourquoi les arrêter? Ça a pas fait de trou? Le problème, c'est que c'est bourré de trous ici. Après, on sera dans une position un peu plus propre. Si, si. Et là, pour l'instant, c'est un peu le bazar.
ça, ça a eu de la chance. Qu'est-ce qui lui arrive là? Ah oui. Les fameux petits trous. Donc ça, faut qu'on les démonte. Ah bah nickel. C'est les moissonneuses qui se dirigent vers le soleil couchant. Oula, celle-là est en train de gagner. En fait, elle est pas descendue, bizarrement. Mais je pense que c'est parce qu'il y a un trou. Le problème, c'est quand il y a un trou de deux blocs. Là, le rail se met comme ça et pouf, elle descend. S'il y a un trou avec un autre bloc, en fait, l'autre a pas pu poser de bloc et elle s'arrête bien. Oh non. Oh là. Oh là là, c'est quoi ça? Oh ben, il y a du monde. Ah, il y avait du monde, il y avait du monde dans ce train, il y avait du monde dans ce train, il y avait du monde dans ce train. Ah ouais, là... En fait, c'est des grottes sous-marines, ça, souterraines. Qui se découvrent maintenant. Le problème, c'est que ça met à jour des blocs d'eau. Et heureusement, on a de la chance. Ah, c'est du grès. Oh, le gravier, c'est pareil. J'ai plus de sable. Bon. Il y en a dans la sableuse.
On a de la chance que c'est pas sur son tracé. Ouais, sinon ça l'arrêterait. Vous avez vu là, pouf, elle s'est arrêtée en descendant. Alors que celle-là, non. Mais parce qu'il y avait des trous. Chlouk. Donc en fait, pour l'arrêter, il vaudrait mieux lui faire un trou. En fait, pour l'arrêter, il vaut mieux lui faire un trou. Qu'elle puisse avoir un rail devant, un rail derrière, et entre les deux, rien. Ça serait plus plus mieux. Là, quand je vais retirer la machine, il n'y aura plus de trou. Elle s'est juste enfoncée, en fait, et elle n'a pas fait de trou. Ah oui, c'est vrai que ce bloc-là, il n'y est pas. Ah oui, il n'est pas retiré. Là, il n'y a pas eu de trou. Elle est pleine de chez pleine. Ouais, donc faut la vider. Tiens, mais balance ça dedans. Donc elle, c'est des sableuses et il faut la vider. Elle, on peut lui refaire faire un demi-tour. Il y a de la marge. Par contre, ouais, n'importe où. Bon, on va la refaire. C'est un peu le bazar là. Efficacité, ce serait pas mal. Ouais, donc elle a pas fait de trou. Ce qui est une assez bonne nouvelle. Ah. C'est une assez bonne nouvelle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7. On va la mettre à 1. Donc c'est des sableuses 2. Hop. J'ai plus de... J'ai pas de roche sur moi. Sinon j'aurais cassé ça. Bon, ça c'est un mur temporaire. Est-ce qu'on peut pas laisser le grès? Tant que c'est pas du sable ou du gravier, ou c'est pas RP, le grès c'est du costaud. On peut le laisser le grès. Non? Parce qu'on rappellera que là il y a un massif à détruire en fait. Par contre, là, on est d'accord que c'est du sable. C'est pas bien. Non, de la pierre, il n'y en a pas. C'est cobellisé. C'est pas de la roche dans la sableuse, c'est de la pierre. Et là, c'est de la roche qu'il nous faut. Alors, il faudrait qu'on gratte jusqu'ici. Donc on va se faire un chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 7. Plus les torches.
Les torches sont par ici, ouais. Il faut qu'on aille au moins jusque là. Sachant qu'après, ce chemin-là va être détruit. Le truc va flotter en l'air. Ça va être assez bizarre et ça va être très casse-figure en fait. Mais bon, ça permet de gratter ça. Ce serait dommage. On montera la chercher avec avec un échafaudage. Je vais faire une couche par-dessous. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, surtout que pour l'arrêter, il faut faire un trou. Ah, ou alors on fait comme ça, mais elle risque de tomber, non? 3, 4, 5, 6. Aïe. C'est-à-dire que pour le RP, et pour faire plaisir à J1, j'ai pas d'échafaudage. Bah, j'ai pas d'échafaudage. Donc là, il va poser un rail. Là, il va pas en poser. Il va en poser un là, et donc elle va s'arrêter entre les deux. Crouf. Ah oui, exact. Merci Jeff. J'ai pas le réflexe, sac à dos. Je joue pas assez avec le sac à dos. Elle est où la machine? Elle est où la machine? Elle devrait arriver, non? J'étais plus vite qu'elle. Quelle heure il est? 19h30, on va pas trop arrêter. 2h33. Ouais, encore un quart d'heure et on arrête le live. Après c'est les petits cubes. Bien rangé le sac à dos, ouais. J'avais une machine à vider, non? La désableuse. Ah, il a pas encore. Il est. Pénible! Il est pénible le truc. M'énerve. Ah. Alors, ouais, tiens, on va aller faire un petit tour du côté de la graine d'XP. Est-ce qu'on en a une nouvelle? J'ai pas l'impression. À 76. Euh...
Alors après, je pourrais essayer de les mettre dans du farmland niveau au-dessus. Premium. Ah, j'aurais dû en faire deux. Donc ça va aller un petit peu plus vite. Attends, c'est pas celle-là. Pas moyen de les upgrader. Non. Je reprends la Master Infusion. Tiens, pourquoi je vais pas avoir Pas de graines. On va aller voir comment l'autre elle se comporte. Ah, je crois qu'elle est tombée. Ah zut, on a loupé ça. Et là, elle a fait un trou. Bon. Bon, avec tout ça, faut la vider. Ça marchait, c'était beau. Oui, elle a reposé un rail sur l'échafaudage, mais je pense qu'elle a profité du trou pour passer à travers et... Donc celle-là est à vider. L'eau doit être vide. Sans l'échafaudage, ça marchait. Ok. Donc celle qui a vidé, c'est la dessableuse numéro 2. Ah oui, j'ai pas regardé les sous le machin. Bon, après.
après c'est pas trop, c'est des petites réparations hein. Les plaines. Hop. Hop. Ah, du cuir. De la glace compactée, pas cher. J'ai une usine à... J'ai une truc à... À émeraude. Hein. Mais bon, faut pas encourager le vol. Faut pas encourager le vol. C'est mal. Donc j'en ai une que je peux réinstaller, là. Ah non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. C'était en dessous pour faire un travail propre. Pour qu'on arrête de dire que je travaille comme un cochon. Lyon. Ah, ça remonte là. Ah. Ah si, il y en a encore. Ah cool, on peut finir. Oh, quel beau travail. Michel, petit rappel, on ne peut pas miner la bedrock. Mais si, on peut. Je suis sûr que les machines créates, elles y arrivent. Je suis sûr qu'elles y arrivent. Bon, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pop. Et hop, c'est parti. ...19h42, on va dormir, on va aller voir ce qu'elles ont fait là-bas au bout. Et puis on va arrêter aujourd'hui pour... Aujourd'hui, on va arrêter ici. Prochain live, ça sera mercredi. Didi. Mercredi, c'est Baudet. Ta, 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 ta. Le mercredi, c'est Baudet. 86. Et tout à l'heure, j'avais 88. Hein. Hop. Allez, on charge tout. Charge-moi tout. Bon, ici, toujours pas de graines. Ça va être chaud l'expérience, hein.
Ça va être très 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 long à voir. Ici elle doit être vide. Ouais. Oh vache. Donc on va aller voir ce que ça donne. Comment on peut l'arrêter proprement. Zoupa. Alors attends, on était là. Donc le truc c'est qu'elle va poser un truc là, le machin va s'amener là. Du coup il rebondit, il redescend. Donc limite on lui fait un trou ici. Ouais mais le problème c'est qu'il va descendre. Non, il faut pas... Ouais, il faut lui faire un trou comme ça. Qu'elle puisse pas mettre de... Et puis là, il faudrait peut-être quand même qu'elle continue de mettre des torches. Sinon, elle va s'arrêter. Enfin, c'est pour tester. Là la machine, vite 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 vite. Les petites bouboules vertes. Alors c'est pas tout à fait ça, mais il fait, dans ces cas là il fait pas de trou. C'est pas, c'est bon, c'est pas ce que je voulais qu'il fasse. Je voulais qu'il reste coincé là, mais ce qui veut dire que ça aurait fait une bande de 3. C'est pas plus mal là. Donc si on fait un trou juste avant, tchouk tchouk, il redescend mais il fait pas de trou. Donc pour moi c'est bon. On va dire que c'est valide. Donc lui il a fait que la moitié du truc, il a pas besoin de... Il peut resservir. Tac. Donc là impeccable, propre. Et là il n'y a plus qu'à finir en retapant un petit coup...
Voilà. Bon, ça faut le virer. Hein. J'ai un peu laissé traîner parce que j'avais plus d'outils. Donc là, c'est un peu long du fait que j'ai pas d'enchantement. Mais d'ici mercredi, on aura l'expérience. Faudrait que je fasse du loin du clavier, peut-être. J'essaierai de passer dans la semaine. Ou peut-être demain, je le laisse tourner une ou deux heures. Oula. Oula. Voilà. Bon bah là il y a après il y a du. Là il y a du bloc à poser pour finir la. Finir le dock. Ah. Comment on grimpe nous? Hop, et il y en a un autre. Non, c'est bon. Ok, impeccable. Bon, et ben moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de semaine, plein de bonnes choses. Et puis on se retrouve lundi, donc semaine normale. Le samedi prochain, ça sera écourté. On n'ira pas jusqu'à tard, parce qu'il y a encore festoiement. Enfin, encore. Vous avez vu, hein, c'est raisonnable les festoiements chez Z. Il en fait pas beaucoup, hein. Il a une vie de. Il a une vie monastique. Pauvre petit Z. Et sinon, ça sera donc lundi. Factorio, mardi Amiens, mercredi Titanic de Gisèle, jeudi Holy Cube si on a de la co. Sinon ce sera Titanic. Vendredi le live détente. Et grâce à J1. On aura la map, on fait le tour du monde, on va se balader un petit peu en Turquie et on file au Liban, je crois. Et puis samedi, Titanic à Gisèle, mais pas trop tard. Je verrai l'heure à laquelle je termine. Je fais des gros bisous. Merci aux modérateurs, merci aux donateurs, merci à vous tous. Une bonne soirée. Et puis, à quand vous voulez, à bientôt. Au revoir, adé. Ta 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 ta.